Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour regarder un petit peu ce qui nous attend sur la semaine prochaine. Alors, sans plus tarder, on regarde pour lundi. Alors pour lundi, c'est plutôt pas mal dans un premier temps ici. On va vous parler peut-être d'éclaircissement en lien avec votre foyer. Il y a des nouvelles aussi hein, qui vont arriver ici. Alors, on va faire une petite coupe pour regarder des nouvelles ici, des nouveaux accords. Il y a des solutions aussi, c'est ce qu'on vous dit. On va regarder avec l'oracle des miroirs si on peut nous en dire un petit peu plus au niveau de lundi. On va vous parler ici qu'on prend le temps quand même de dialoguer ici. Peut-être de trouver de nouvelles idées hein, aussi pour certaines personnes. Alors, soit ça peut être avec votre mari. Alors, attendez, j'essaie de la placer, voilà. En tout cas, il y a l'histoire peut-être de quelque chose de nouveau, peut-être d'une nouvelle réunion avec un homme. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se prépare. Donc, je vais faire une petite coupe de nouveau. Alors, on vous parle, il y a quelque chose qui pourrait être lié aussi en lien avec le cercle amical. Peut-être que on vous culpabilise un petit peu en quelque sorte hein. Ici c'est ce qui ressort. Peut-être vous vous sentez un petit peu culpabilisé, peut-être qu'il y a un peu de la distance aussi, une certaine instabilité. Mais on vous parle aussi qu'il y a un travail justement derrière qui est en train d'opérer, un travail pour le changement, un changement qui va vous apporter vraiment la joie ici. C'est vraiment de cet ordre-là. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire que la situation se rééquilibre par rapport à un sentiment peut-être aussi d'insatisfaction ou concernant peut-être aussi une problématique peut-être en lien avec le domaine familial, peut-être en lien aussi avec votre maison, votre lieu de vie. Il y a des choses qui s'éclaircissent pour lundi. Alors, on va regarder maintenant pour mardi. S'il vous plaît, on en a eu deux. J'attends de voir. Éventuellement, on en a une troisième. Ça ne vient pas, donc je prépare ma petite coupe. Alors, la première carte. On vous parle de protection. On vous dit de vous sentir à l'aise avec vous-même concernant quelque chose qui est en mouvement. Quelque chose qui arrive. Avec la coupe, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on nous parle de solutions rapides. Ensuite, solutions rapides, c'est porteur. Hein. Donc, s'il y avait éventuellement des problématiques jusqu'ici, j'ai envie de vous dire que ça va aller dans votre sens. Il y a quelque chose de joyeux au niveau de la famille. Ici, ça ressort encore une fois. Il y a une évolution vous concernant. Alors, je vais vous montrer quand même toutes les cartes. Une évolution vous concernant, voire concernant aussi un conflit. Un conflit, on nous parle peut-être de quelque chose de preuve à l'appui ici hein, aussi. Il y a la notion peut-être de devoir signer quelque chose. Et ça fait bien être. Et je vois qu'on parle après derrière. On en parle. Donc peut-être quelque chose aussi qui arrive à terme. Ou c'est qu'on trouve peut-être tout simplement des solutions concernant une problématique. Donc plutôt positif. Hein. Avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour mardi? Alors, pour mardi, on va aussi vous demander de prendre un petit peu un temps de repos pour vous. Car il y a des choses qui sont tout simplement en train de se mettre en place. Qui vont vous arriver. Il y a vraiment la notion ici de quelque chose qui vous revient. Je regarde encore. Ouais. Quelque chose qui vous revient, quelque chose qui vous procure un certain bien-être ici. Donc peut-être que vous êtes dans l'attente de certaines choses ici, c'est plutôt positif. Alors, on continue avec mercredi. Alors, mercredi,
petit coup de stress mercredi, peut-être en lien avec le travail, peut-être une grosse charge de travail, ça peut. Mais il y a peut-être une situation un petit peu qui vous travaille intérieurement, j'ai envie de vous dire. On vous demande d'être fidèle à vous-même, aussi au niveau énergétique, dans le sens où c'est qu'on va pas vous dire de donner trop si vous sentez que ça va pas. Il y a un moment donné, il faut savoir se remettre en question et se dire j'ai peut-être besoin d'avoir aussi un petit temps de repos. D'accord, ça va être aussi dans ce sens-là pour la plupart d'entre vous. Pour d'autres, on peut peut-être vous dire ici qu'un ami vient vous, un ami peut-être concernant aussi le travail. On vient peut-être vous notifier certaines choses qui auraient peut-être tendance un petit peu à vous stresser psychologiquement. Hein. Ça peut être dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs? Alors. On nous parle vraiment de l'amitié ici. Y a-t-il une autre carte pour mercredi? Alors oui. Peut-être que vous allez entendre certaines choses concernant aussi un homme. Un homme qui fait peut-être aussi effet boomerang. Où c'est qu'on s'assoit et on discute peut-être aussi avec cet homme. Donc ça peut être en lien avec le travail, bien évidemment. D'accord? En tout cas, ça apporte satisfaction. C'est ce que je vois. Ça apporte une certaine satisfaction ici. Où c'est que l'on sort, en fait, un petit peu, en quelque sorte, d'une zone d'ombre. On sort d'une zone d'ombre, on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Alors, pour jeudi, les énergies pour jeudi, s'il vous plaît. Alors, ça fait un petit peu beaucoup, on va déjà prendre celle-là. Il y en a-t-il d'autres pour jeudi, s'il vous plaît. Alors, il y en a eu pas mal que j'ai pu rattraper au vol. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour jeudi? Jeudi, il y a vraiment du mouvement hein, dans cette semaine. Ça va vraiment être une semaine de mouvement. Assez chargée, j'ai l'impression. En tout cas, on écoute son cœur. On reste fidèle à ses ressentis. Il va y avoir aussi de la communication en lien avec le travail ou en lien avec un travail actuel ici. On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui doit s'arrêter. Ça peut être aussi un travail extérieur. Quand je dis extérieur, c'est peut-être un travail que vous-même vous êtes en train de faire, d'accord, qui n'est peut-être pas forcément votre travail physique. Hein. Ça peut être au niveau peut-être de papier administratif. Ça peut être aussi dans l'attente d'avoir quelque chose ici. On voit que ça prend fin et qu'il y a du mouvement aussi qui vient de l'extérieur hein, concernant ça. On vous parle de choses peut-être un petit peu stressantes aussi. Parce qu'on n'a pas vraiment la visibilité sur certaines choses. On vous parle bel et bien ici de solutions et de protection. Même s'il y a des choses qui pourraient être éventuellement un petit peu retardées, vous êtes protégé. Et ça débouche sur une signature ici. Hein. Ça débouche sur une signature plutôt positive. Alors, on va regarder ce qu'on nous donne de plus avec l'oracle des miroirs en lien avec jeudi. Plus d'informations. Eh bien, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Alors, on nous a parlé ici. Peut-être que vous avez également des ressentis. Peut-être que vous vous isolez aussi de certaines choses. Et j'ai l'impression que vous allez vraiment partir un petit peu, changer le contexte de la vie. Hein. Ouais. Ensuite, pourquoi? Il y a des accusations qui se mettent en place en lien avec vous. En lien avec vous. On vous dit, donc, même s'il y a des choses qui se mettent en place, de pas vous emballer dans le sens négatif parce qu'il y aura des compromis de trouver. D'accord? Dans la coupe, on nous dit qu'on est fidèle à soi-même, qu'il y a vraiment quelque chose. Il y a la notion ici d'arrêter une certaine instabilité.
Et c'est comme si en fait ce qu'on montre, c'est vous en avez la notion de ça. Parce qu'on va vous donner la chance de pouvoir rééquilibrer la balance. Hein. Il y a beaucoup de choses ici après qui ressortent. Peut-être des personnes qui vous jalousent parce que vous êtes arrivé peut-être à quelque chose ici et ça crée un certain conflit. Ça peut être en lien avec la famille, hein, ça peut. Quoi qu'il en soit, ça va dans votre sens. Donc j'ai envie de vous dire, tant que c'est bon, allez-y. Voilà. Après, pour vendredi, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, les messages pour vendredi. S'il vous plaît. Alors, waouh! Vendredi, on finit la semaine en beauté, j'ai envie de vous dire. On voit qu'on trouve de nouveaux accords. De nouveaux accords, des choses plus lumineuses. On laisse place un petit peu à la lumière, au soleil qui viendra tout simplement vous réchauffer. On nous dit qu'il y a aussi un travail qui prend aussi un certain temps, d'accord, mais de ne pas vous inquiéter parce qu'on travaille pour vous apporter une certaine paix. Même si c'est peut-être un voyage un petit peu stressant, quand je dis voyage, ça peut être la tournure des choses, ou c'est que ça prend du temps à se mettre en place. Je vois que c'est stressant, il y a une nouvelle direction en lien avec un homme, peut-être qui cherche à aller en profondeur dans une discussion aussi, notamment. Une discussion qui a, pour moi, à mon sens, est un petit peu houleuse, où c'est qu'on n'a peut-être pas forcément les bons propos ici en lien avec une dame. Je vais vous les montrer les cartes, hein. On se sent peut-être un petit peu stressé, déstabilisé. Donc justement, nouvelle direction en lien avec un homme qui cherche à discuter en profondeur ici. Discussion houleuse, hein, a tendance un petit peu à peut-être perdre son sang-froid. Avec la dame, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vois une évolution pour la dame, donc pour vous, plutôt une évolution assez positive, hein. Assez positive, peut-être que vous soupçonnez pas réellement ce qui est en train de se passer au niveau du mouvement. Hein. Ouais, il y a un mouvement quand même assez rapide où c'est qu'on a des réponses peut-être en lien avec vous-même, avec votre foyer, où c'est qu'on vous dit cette fois, bah vous touchez au but et ça s'arrête, on vous laisse tranquille. Donc il y a un conflit qui est en train de se résoudre. Pour vendredi, j'ai envie de vous dire, ça rentre dans l'ordre. Hein. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on va un petit peu regarder ce qui nous parvient pour vendredi. Alors, vendredi, s'il vous plaît. Voilà. Eh bien, il y en a pas mal, effectivement. Alors, vendredi, retour à la joie. Vendredi, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Il y a des choses enfin qui se décantent. On vous parle notamment d'examen. Ça peut être aussi en lien avec l'aspect peut-être financier, un héritage, l'aspect juridique, où c'est qu'on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient aussi dans votre sens. Quelque chose qui est analysé ici. Quelque chose qui se fait peut-être également aussi à distance. Peut-être vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous déplacer. Mais c'est quelque chose vraiment qui fait bien-être, qui fait bonheur ici. C'est vraiment ce que je vois. Hein. Malgré qu'on vous a montré du doigt ici, on vous dit quand même, ça vient plus en positif. Par contre, on vous dit de faire attention à votre santé. D'accord? De ne pas trop tirer non plus sur la corde, afin de vous éviter aussi une grosse fatigue. Hein. Donc, dès que vous sentez que la fatigue se fait ressentir, prenez un moment pour vous, d'accord? Pour vous remettre un petit peu à niveau. Peut-être ben, des choses qui vous procurent du bien-être ou peut-être procéder à des soins énergétiques. Comme vous le savez, je propose également aussi des soins énergétiques. Donc, libre à vous de me contacter. En tout cas, moi, voilà ce que je vois au niveau de la semaine. Donc, j'espère que ça va résonner avec pas mal d'entre vous. Pour ceux et celles qui souhaiteraient bénéficier de soins énergétiques ou tout simplement de la cartomancie, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.